إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد الحمد لله nous continuons avec une leçon concernant le Coran. Nous n'avons pas un petit peu règlement lecture Coran, règlement écoute Coran. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous proposons règlement apprendre et étudier Coran et aussi enseigner Coran, règlement apprendre Coran, étudier Coran. Et enseigne le Coran. Après, Inch'Allah, la semaine prochaine, on va parler concernant mémorisation du Coran. Donc, concernant apprendre le Coran, apprendre la lecture du Coran, ça c'est un peu une ibadat Allah subhanahu wa ta'ala. Et définitivement, il y a une grande ibadat parce que le Coran c'est parole Allah subhanahu wa ta'ala. Et parole Allah Rabbul Alameen, il n'est pas parole. Même Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ses paroles du prophète, nous devons réciter avec un certain respect. Avec combien de respect, nous devons réciter les paroles Allah subhanahu wa ta'ala. Allah rabbul alamin dit, inna sanulqi alayka qawlan thaqila. C'est tellement nous devons faire des sens, nous devons une parole lourde. Une parole lourde, tu vois. Ne pas qu'à traiter comme avec une certaine légèreté, avec un certain, quoi dire, ne n'a pas montré respect qui visait. Alors, apprendre la lecture du Coran est obligatoire, il est important, surtout qui, quand on finit à apprendre un petit peu une cause ou un petit peu, quand une cause dans règlement, règlement lecture, nous disons qu'il y a des qualités, règlement, lecture du Coran, un règlement tajwid, qui ça est obligatoire, si vous pouvez faire ou un PC. Si vous payez rien, vous gagnez PC. Et en gros, c'est des petites choses. En gros, c'est des petites choses. Premièrement, c'est prononcer la lettre bien. Ne pas capable de prononcer sin et chine, quoi, sans différence. Car et off, sans différence. Là, il faut sans signification. C'est un premier règlement. Et deuxième règlement, c'est qu'il y a longue voyelle, petite voyelle. Longue voyelle et petite voyelle. Ça, peine exquise là-dedans. Peine exquise là-dedans. Mais il y a les autres bonnes règlements, par exemple, waqf. Waqf, c'est un diable qui n'arrête une place, il n'y a pas de quoi bien. Il est vilain. Et même, quoi dire, il y a une place, nous ne pouvons pas prendre ça, il y a une place arrêtée, il est beaucoup vilain. Beaucoup vilain. Un diable, c'est quoi dire, il peut lire le Coran, il peut comprendre le Coran, un diable qui comprend le Coran, s'il peut écouter, un diable qui lit le Coran, parfois il n'y a pas arrêté. Qui n'avait pas une bonne savante dans le juif, je veux dire, mais il arrête là, mais il n'y a pas arrête là, plus bon arrête là, plus bon pas arrête là. Il n'y a pas de règlement comme ça, mais il n'y a pas de place pour qu'on m'a s'y arrêter. Vraiment, lecture là, il est vilain. Vraiment, lecture là, il est vilain. Alors, apprendre le Coran, si nous pouvons nous obliger à apprendre, lire le Coran, pour qu'il nous lise le Coran avec le juif, et dire, nous comprenons, nous l'aider bien. Et ça aussi, comment nous dire, il y a certaines lettres que nous avons même une certaine tolérance. Par exemple, Dad, finina, tolérance de la part de nos ulamas, ils ne sont pas les mêmes, ils n'ont même des difficultés pour prononcer Dad bien. Alors, Saint-Germain, les papes prononcent sur Dad bien, sur Sad bien, mais seulement il peut dire Sad, il peut dire Dad, il n'est pas grave, il n'est pas grave. S'il veut gagner un pour perfectionner, il y a un diable pour corriger, alhamdulillah. Sinon, alhamdulillah, vous verrez qu'on a les pays sont pour un bien. Et ensuite, si toutefois, il veut gagner l'occasion pour qu'un diable enseigne plus encore, qu'on enseigne la lecture, un règlement qui quoi dire, il veut gagner pour apprendre un différent ibadet. C'est définitif. Qui nous permet de pounoyer? Quelque chose qui nous permet de pounoyer? Pas le Coran. Une première explication aujourd'hui. Allah alayhi wa sallam, Allah waqtanouhu et apprendre le livre d'Allah et garde-le dans une possession. Apprendre le livre d'Allah et garde-le dans une possession. Alors apprendre, vraiment apprendre sur lecture, apprendre l'époque et apprendre sur signification, tout rentre là-dedans. Mais le premier apprendre, c'est apprendre sur lecture. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, خيركم من تعلم القرآن وعلمه من يبقى مثل سسولي كي بيأبران القرآن اللي ينسان لي لزود ألو أترابي أبران القرآن نكابا من بريبان بان ميجي سابرمي ديجام سي لانكورازما بويتي دي القرآن لانكورازما بويتي دي القرآن بيجا القرآن لبان نيل كي نزيس ليا نترابي نو ليا نو
Nous ne finissons pas en début commencement au Coran, Allah t'a fini de manou pour méditer l'oula. Afala y te debbarouna le Coran. Est-ce qu'il n'a pas médité le Coran? Parce que le Coran c'est un message. Le Coran c'est un message depuis Allah subhanahu wa ta'ala. Un message pas capable d'y aller, nous pas peut comprendre. Et un message qui Allah t'a fini de descendre vers nous pour qu'il nous amène nous la vie d'une façon qui. Afin qu'il nous sauve de la peau des petits-fils l'enfer. Le Coran, c'est un message, pas un message simple. Un message pour qu'il nous capable de sauver de la peau des petits-fils l'enfer. Mais si ce message-là nous pas peut trouver important pour comprendre, si ce message-là nous pas peut trouver important pour qu'il nous réfléchisse, là, avec qui message qu'il nous parle, nous peut trouver important pour réfléchir, là. Donc, l'encouragement pour étudier le Coran. الكود بيان فاسيل انت مون اللي غدا مزيد لي بو قران لي بيلياس با تفسير سوره اذا زلزلت الارض زلزالها لي بيليا لي avec l'objectif avec l'objectif qui لي بي étudier قران لي بيولي comprendre دين الله سبحانه وتعالى الو ساو سي سي دان ان غران عباده فاي من حديث كي نون باس لو لا بلوزيغ فوا لي بروفيت صلى الله عليه وسلم ديا N'importe quand, groupe de monde vient rassembler dans la case, même dans la case, Allah, je peux lire le livre d'Allah et je peux étudier les entre eux. Je peux étudier les entre eux. Alors, Allah, tu as des saints sakin, alors, tu as rahmat Allah en globe, et aussi, ben, ange en tous eux, et Allah, tu as fait mention des eux auprès du ban qui écoute le livre. Et ce qui montre, nous, l'importance d'étudier le Coran, ce qui, comment nous connaît, Allah subhanahu wa ta'ala fait prépare ce din d'une façon et ce Coran et sunna de ce rasoul d'une façon qui l'éclaire pour qu'il nous trouve la vérité, nous suive la vérité et en même temps il y a un din, il y a un Coran, il y a un sunna qui kajani peut trouver qu'il est capable de prouver ce légalement pour qu'il pour Coran, pour sunna kajani peut dire où ce qui est là dans la sa kufr là là sa Coran beja sa hadith beja Coranion beja ou ce din là Coran sa hadith ça Allah Rabbul Alamin fait prépare ce din dans sa façon là qui celui qui voulait la vérité la clé celui qui s'insère envers Allah il peut trouver la vérité mais en même temps din là d'une façon celui qui est malade il peut trouver Coran beja un prophète après Muhammad sallallahu alayhi wa sallam il peut trouver que dans Coran beja reset hadith suivre this c'est le Coran. Alors, ça montre nous l'importance d'étudier le Coran parce que nous devons étudier le Coran pour que nous comprenions le Coran bien. Nous n'avons pas une bonne qui peut déduire ce légalement depuis le Coran. Nous n'avons pas une bonne qui peut prouver ce légalement par le Coran. Par le premier siècle, c'est le Khawarij. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Quand il décrit le Khawarij, c'est ça même qu'il dit. C'est pas qui zote pour lire le Coran, mais comment dire, il n'est pas pour descendre, il n'est pas pour dépasser zote la gauche. Comment dire, il n'est pas rentrer dans l'équerre, il n'est pas descendre dans l'équerre, et comment dire, pas finir la compréhension. Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, il dit Yansha ou nash un yaqra'oun le Coran, la yujawizu taraqiyahum. Pour une génération qui peut venir, on a pour lire le Coran sans qu'il ça dépasse je clavicule veux dire je les os que la cause veux dire le Coran lecture là les une lecture l'eau la langue une lecture qui pas fini descendre dans l'équerre et ne comprend pas ça c'est une lecture qui pas fini la compréhension ben, comment on le connaît ben Khawarij. C'était pas mal de monde qui partait la dîne dans eux, parce que je peux payer Allah, parce que je peux faire ibadet Allah. Non, j'ai une ibadet Allah dans eux, je peux montrer qui
je paye l'intolérance envers haram à tel point que c'est lui qui me fait pécher que je dis. Il fait même kafir. Ça a été, on va dire, je dis, soi-disant, c'est aillé dans. Dans dit, mais qui n'est arrivé, c'est je pas ne comprends le Coran. Je pas fait comprendre le Coran. Dans l'époque aussi, quand vous prenez qui, n'importe qui groupe qui nous est là, qui était au bandit, qui est vrai, lui, il n'y a personne qui peut dire ou qui. Ce qu'il peut croire là dans la partout du Coran, ça. Par exemple, Brelui, c'est qu'il n'est plus dans les astères. Brelui, je dis qu'il fondait le Hazir Nazir. Le musulman, la guerre dans sa pays, la cause Hazir Nazir. Il a fini la masjid, il a avancé à quoi au premier Hazir Nazir. Astère, il a arrêté de tendre ça. Vous prenez le masjid Brelui, ou habite un imam cause Hazir Nazir, ou pas pour tendre ça. Il a arrêté de causer ça. Qui fait hein? Parce qu'il sera trop. Elle est comme trop claire. Peut-être entre les autres, cachette. Je vous dis oui, Hazir Nazir, mais un autre qui a été Hazir Nazir, pas ça Hazir Nazir qui va me voir, qui va me voir, non, un autre qui a été Hazir Nazir. Je vous dis, quoi dire, explique-lui dans sa façon-là. Sinon, si nous prenons un livre, quand je fais une réfute, je n'explique qui veut dire Hazir Nazir. Un peu, il y a un point qui va t'envoyer, tu peux avancer. Je peux dire, oh, toi, quoi, belle. Bidati, Brelui, tu peux dire le prophète Hazir Nazir, à partir quand il est raté, avant de venir raté, quand il vient de sa dunya là. Ça, comment dire? Oh, qui m'a dit? Tawhid. Ce n'est jamais très vite dit. Il y a toi, Wahhabi, tu ne pas connais le prophète. Si tu connais le prophète, tu vas te poser cette question là. Le prophète, veut dire, dunya là, même créé à cause, il y a une. Dunya l'aim, c'est un parti nous, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors les prophètes, ils viennent au laté, ils tirent au laté, ils quittent laté, ils pas sens. Ils pas sens, mais les prophètes, Hazir Nazir. Astère, je dis ça. Astère, je ne peux dire ça. C'est pas les prophètes, ils créent à partir de nous. D'ailleurs, comme man souvent, je n'accepte qu'il y a dit ça, pas authentique. Pena, ça a dit ça, pas existe même ça a dit ça, qui tout qui sauf, il crée à partir. Nour Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors, ce qui nous peut dire, que tout ça va égaré qui est là, bien égaré qui n'est pas basé au Coran, n'est pas justifié sur les gamins par le Coran. Au contraire, même, man kafir, qui j'ai fait la mission, j'ai allé par ici, par là, des autres, man libré, non? Man vient, c'est depuis le Coran. Alors, il ne faudrait pas. Nous laissons embêter par ça et ça montre-nous l'importance qui nous apprend le Coran, nous essayons de comprendre le Coran et définitivement nous apprendre et nous comprendre comment le salaf comprend, comment le ulama comprend. Al-Ajuri, il fait moi l'année 360, il dit والقليل من الدرس للقرآن مع الفكر فيه وتدبره أحب إلي من قراءة الكثير من القرآن بغير تدبر ولا تفكر فيه الأجر رجيا إتي دي قرآن أن تيبي ميم مي أبيك ريفليكشن إي ميديتاشن إتي دي قرآن أن تيجيت ميم مي أبيك ريفليكشن إي ميديتاشن إجا مو بريفي أسا كان دي مولين لي قرآن بوكو سان ريفليكشن سان ميديتاشن إجا Coran, Allah t'a fait des années pour qu'il nous réfléchisse, nous médite. Et nous, quand nous pouvons lire, même si nous pouvons nous lire, qu'il nous peut étudier. Nous pouvons lire avec un, comme si nous pouvons étudier. Si nous sommes capables, nous lire même, comme si nous pouvons étudier. Mais nous essayons de comprendre qu'il nous peut lire, si nous pouvons étudier le Coran. Nous pouvons étudier le Coran. Alors, il y a pas autant qu'un démon, il y a le temps pour ça aussi. C'est l'imagine. Au démon, namaz même, comment dire. Si les vignes, les minorités, le Coran, si, comment dire, il gagne le temps en 10 minutes. Mais comment il est loin de ce qu'appelle le Coran et le Coran? Définitivement, celui qui est éloigné depuis l'île Allah subhanahu wa ta'ala, qui sera pour plaquant dans cela, dans le Bouddhli, un démon qui, on va trouver le Coran pour lire, on va trouver le Coran pour étudier le Coran. Et ça, c'est comment dire, pour lui-même. Astéa, comment dire, pour faire une leçon de tafsir aussi, c'est pour quoi dire, grâce tout de l'histoire, ça aussi, il est pas absent. Ça aussi, il est pas absent. Alors, définitivement, ça montre nous comment il y a beaucoup de nouveaux frères, sœurs,
بابي أولو قرآن كما بيزن ابن الجوزي رحمه الله لجيا لما كان القرآن العزيز أصل العلوم مع كونه كلام الله كان أفضل العلوم لجيا لفك القرآن سي لا باز دي بان سيانس et en même temps la parole d'Allah la Coran c'est la parole d'Allah Coran c'est la base de bonne connaissance à l'origine étudier Coran c'est meilleure connaissance quand tu apprends le Coran c'est ne peut acquérir meilleure connaissance alors ça c'est concernant apprendre lecture Coran apprendre signification Coran étudier Coran ensuite il y en a ce qu'il appelle vertu enseigne Coran le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'idée من علم آية من كتاب الله كان له ثوابها ما تليت celui qui vient enseigner une ayat depuis les livres d'Allah le continue à sa thawab là aussi longtemps qu'il s'agit mon ali ali exemple dit mon leader madrasa les bébés madrasa et ça quand on trouve parole à Dhahabi un des plus grands travaux qu'un dimon capa faire et ça Il demande qui était, il demande des miettes par jour, ou bien il est en pause, ça même, il demande qu'il y ait des miettes par jour. Les is qu'on a déjà pu enseigner du monde, sur la Fatiha, sur la Ikhlas, sur la Nas, si par l'eau d'Allah, il peut faire ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam veut dire, ça c'est un enfant, il rentre dans la madrasa, il a 5 ans, 6 ans, il n'a pas ni le Coran, il n'a pas des 3, 4, 5, 6 surahs avec lui, tout le monde sera avec lui. Il vous lisez sa surah là, il vous lisez sa surah là. Alors, tout l'on se lave qui sa enfant là pour lire sa Coran là, sa enseigne là, les bougais ça, les bougais ça, tawab là, les bougais ça, tawab là. Alors, quoi dire, elle façon de parler dans le bon masjid, dans le bon endroit, le tibisien peut repousser dans le Coran. Le tibisien peut repousser, non, il y en a trop beaucoup. Quoi, nous peut y avoir autant d'élèves comme moi, nous peut y avoir autant dans le Coran. Mais malheureusement, quoi dire, au bout d'y a dit, moi aussi, et je tiens le temps pour qu'il enseigne Coran zéro. Et il y a bien des gens qui trouvent l'importance de ça, cette chose-là. Et qui en vérité, c'est un tawab, un grand tawab qu'un gens est capable d'acquérir sans qu'il lui ait besoin de faire grands efforts. Et pour l'autre, Allah, c'est l'infini, quoi dire, organise sur la vie d'une façon qui, ça ne faut pas dire sur la vie, il y a un madrasa. Il va faire 5 fois par jour. Il va faire 5 fois par semaine. 10 fois par semaine. Il va faire 10 fois par semaine. 1 fois par semaine. Au moins, comme on a dit, il est en contact avec le Coran. Il enseigne le Coran. Tout le long de la vie, qui va les enfants pour avoir le Coran, je n'ai pas le Coran, je peux lire. Il est là, va gagner. Et comme ça, même, quantité d'élèves qui pourront apprendre avec lui, pour gagner sa quantité de tawab là. À part qu'il y a aussi ce qu'il appelle enseigne nos enfants, nos propres enfants. Et ça, surtout si nous pas recevons un Hafiz le Coran, nous besoin de sa dévotion-là et sa souhait-là qui croit au moins nos enfants viennent Hafiz le Coran. Mais nous pas un Hafiz le Coran, au moins, quand nous sommes des gens qui connaissent le Coran et nous capables d'enseigner nos enfants le Coran bien. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit que jour Qiyama pour donner un parent ويوضع على رأسه تاج الوقار ويكسى والده والداه حلتان لا يقوم له بالدنيا وما فيها جو قيامة سلوكي لنحافظ الله تعالى فمثلين مثل أن كورون دي لا جينيتي لو سلاتي أن كورون ما جاء بولولي جو دي قيامة إسا يا بوتان نبوين نبوين دي شابيت ميموريزاش القرآن الله تعالى فين فيا فابيا لنجمون لن كون قرآن باقية ستن فابيا ستن لوني على الجمون اللي بيزن كون قاد سو سو بالي اللي قاد سو Solennia, comment nous vous si belle parole, le quand du monde peut badiner, un hafiz pas supposé badiner, quand du monde peut perdre le temps, un hafiz pas supposé perdre le temps, quand du monde peut cause inutile, et un hafiz pas supposé cause inutile, God divise God sauvalier. Alors il faut dire, celui qui est un hafiz, Allah Ta'ala pour mettre le courant de la dignité sur la tête et ensuite pour donner son parent, des vêtements, des habillements,
qui sa dunia là et tout ce qui est dans la dent par vous sa fêtement là. Fayaqulani ya rabb anna lana hada. Alors par là vous dites oh Allah, comment nous gagne sa vêtement là, sa cadeau là, comment nous beka begay ça. Alors vous dites ben là yuqal lahuma bi ta'lim waladikuma al-Qur'an. C'est pas l'enseignement des autres enfants pour Anne. Je suis enseigné, je suis enfant. Alors c'est à travers ça que je peux gagner ça, ça tawabla. Donc, pour ça, on trouve qu'après le Coran, nous pouvons l'occasion d'enseigner le Coran et à travers ça, on a tawabla gagné. Al-Dahabi, l'Ijiya, wa qad thabata. قول المصطفى صلى الله عليه وسلم أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه الذهبية parole du prophète confirme hadith authentique mais il y a pas besoin c'est celui qui il y a pas le Coran et ensuite il enseigne يا سبحان الله الذهبية يا سبحان الله ويبيكسبريم سو étonnement فهل وهل محل أفضل من المسجد. Est-ce qu'il y a une place meilleure qu'un masjid? Il fait quoi ce conseillant? Un janab dans le masjid puis enseigne le Coran. Un janab dans le masjid puis enseigne le Coran. Et ça, il cite sa parole là. Quand il fait quoi ce conseillant biographie? Imam Abu Hanifa, alors il a commenté, comme a dit Abu Hanifa, il n'est pas intéressé avec le Coran, il n'est pas intéressé avec hadith, il est plutôt intéressé avec fiqh, on va dire connaissance fiqh, ça qui est important. Alors, Adam, il y a ça, c'est une fausse histoire, ça. Il n'est pas possible qu'Imam Abu Hanifa dise, on va dire, il sous-estime valia, enseignement pour Ali, il sous-estime qu'il était hadith. Il est vrai qu'Imam Abu Hanifa, ce domaine, c'est plus qu'il était fiqh. Mais pas vrai dire qu'il sous-estime l'enseignement pour Ali. Alors, c'est ça qu'Adam peut dire. Il y a une place meilleure qui masjid. Une place meilleure qui masjid. Ou hel nashrun li'ilmin yuqaribu ta'alim al-Qur'an. Il y a une propagation d'un l'enseignement qui, comment dire, nous capables de costeller dedans. Il est capable de même valer. Est-ce qu'il est capable d'un petit peu même valer comme l'enseignement du Coran? Quelque chose meilleur que le Coran qu'un dimanche capable d'enseigner? Et j'ai qu'à la wallah, impossible. Peine une meilleure place que le masjid, peine une meilleure place que l'enseignement du Coran, peine une meilleure place que le masjid, peine une meilleure enseignement que l'enseignement du Coran. Alors, un dimanche, il y a un janab de masjid, il y a un enfant du Coran. Et comment je dis? Ou hel talabatun khairu min as-sibyan alladhina lam ya'malu adh-dhunub? Est-ce qu'il y a un étudiant, meilleur qui m'a des enfants qui peine à pécher, il y a trois qui sont meilleurs. Zélem, c'est mes enfants. Les enfants peinent à pécher. Ou bien enseigne dans Mazid, meilleure place. Et ou bien enseigne au Coran. Le Coran, c'est meilleure connaissance. Alors, un djimoun, il y a un moudarris dans Mazid, il peut enseigner au Coran. Et effectivement, dans le contexte, montrer Alimba aussi, c'est bien enseigné. Coran, parce qu'il y a des madrassas, des masjids qu'on enseigne à l'Iban, on peut enseigner, comme on dit, pour qu'il connaisse en arabe, les poils viennent interpréter arabe, c'est pas qui est dit. Nous peut enseigner ça, qui est avec l'intention qu'il connaît. Il connaît le Coran. Alors, un djimoun, l'in-en-zélive des masjids, il faut qu'on dit, et c'est God, ça, un peu, il dit ça, sa cadeau là, sa faveur qu'Allah t'a fait faire lui. Les pégayes pour enseigner le Coran, parce que l'enseignement du Coran, c'est un peu mal, c'est ça, mais il y a l'enseignement. Ça, c'est concernant l'enseignement du Coran. Ensuite, il y a pas le Coran avec n'importe qui s'en là. Quand nous mettons Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, lui-même, il se fait enseigner, lecture du Coran. Il se fait lire le Coran, mon sahaba, tu peux écouter. Et je peux répéter ce qu'il fin, les fin lire, et ben, nous finis apprendre, ben, ça va dire, les prophètes tirissaient, les prophètes tirissaient ici, et ça va montrer nous qui, ben, ça, les prophètes, sallallahu alayhi wa sallam, les tu peux réciter le Coran à ce ben, sahaba, comme un enseignement de ce pas. Pas ça, les prophètes, sallallahu alayhi wa sallam,
les encourage pour que Madia n'a pas le Coran avec certains Sahaba spécifiques. Un tel n'a pas le Coran avec lui. Un tel n'a pas le Coran avec lui. Un tel qui tout Sahaba qui dit. Tout Sahaba c'est Sahaba. Tout Sahaba pour le Coran. Mais malgré ça, Madia, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les fils enseignent pour apprendre le Coran avec un tel, avec un tel. Coran nous essaie d'apprendre avec Ban qui croyait, je plie verset là-dedans. Je plie verset là-dedans. Quoi nous dire, il commence même à aller sur la Fatiha. Quel est le musulman qui parle sur la Fatiha? Mais il a dit, comment il commence à sur la Fatiha? Même au fin, il trouve une autre lecture, celle-là. Une autre, quoi dire? Alain donne-lui la voix, Alain donne-lui un taraz, Alain donne-lui, quoi dire? Une connaissance qu'on s'est introduite, qui commence, comment les commencer, vous trouvez, c'est là une lecture, les apports. Le premier hadith, il y a plusieurs. Ibn Mas'ud, قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وهو بين أبي بكر وعمر وإذا ابن مسعود يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم من غدا مسجد أبو بكر وعمر إذا سموما لابن مسعود رضي الله عنه في صلاة وإذا هو يقرأ النساء ابن مسعود قال لبيديا سورة النساء فانتهى إلى رأس مئة فجعل ابن مسعود يده وهو قائم يصلي قال لنفيا صنع آيات بارك في أدواء فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسأل تؤطى اسأل تؤطى لجياء Ibn Mas'ud, pas m'étendre, les prophètes pétroliers peuvent faire droit. Les prophètes disent, demandez à Allah pardonne-toi, demandez à Allah pardonne-toi. Tu m'as dit, « Men sarrahu an yaqqara al-Qur'an ghaddan kama unzil fal yaqra'u bi qira'ati ibni ummi abedin » Ensuite, les prophètes disent, « Celui qui te compte en lire le Qur'an, une lecture fraîche, pareil comme les fenêtres révélées, une lecture fraîche, une lecture révélée, alors qu'il y a lui, Kuma ibn Mas'ud, radiyallahu an, liya sa Qur'an. Le prophète, c'est notre kiti. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, fait enseigner qui lecture d'Abdullah ibn Mas'ud, la lecture à part. Lecture d'Abdullah ibn Mas'ud, la lecture à part. Et une parole qui est dans un livre, il dit, « La ta'khudu al-Qur'an min mushafi » ولا العلم من صحفي نبا بران لكتور قران avec un mushafi un mushafi veut dire un qui n'a pas de mushaf pas prendre le Coran avec celui qui n'a pas avec il n'a pas de mushaf sans qu'il n'a pas avec ban cheikh sans qu'il n'a pas avec celui qui n'a avec ban qui apprend et cette lecture il remonte jusqu'à là-haut il y a comme ça on n'a pas appris la connaissance avec celui qui son connaissance c'est juste livre il n'a pas appris avec alim il n'a pas fini appris avec alim donc la connaissance des dînes un dieu peut faire les sons dînes il peut expliquer dînes pas ça l'écouter nous commence pas le musulman connaisse qui son connaissance pas il remonte jusqu'à ban un savant les remontes qu'à ban savant les là ban à travers ban savant les remontes qu'à rasoulullah sallallahu alayhi wa sallam alors qu'on s'en Coran aussi nous pas juste un djimoun les n'a pas entendu n'a pas dit Coran pas pour lui-même c'est pas le CD c'est pas qu'il était dans la pente Coran avec lui non faudrait qu'il y ait un cheikh et qu'il se cherche un exemple les remontes jusqu'à رسول الله صلى الله عليه وسلم إن البارول كي محمد بن منكدر رجية قراءة القرآن سنة يأخذها الآخر عن الأول إذا قرأت القرآن ستان سنة كي لبرمي كي لديني لبرانسا عبيك لبرمي قرأت القرآن ستان سنة كي لديني لبرانسا عبيك Le premier veut dire, c'est comme ça qu'il nous supposait apprendre le Coran. Quand nous devons pas dernier, nous supposait apprendre une façon qu'il nous lecture les pérémons jusqu'à ban. Et en réalité, tout le monde qui enseigne le Coran, nous appelons ça Ijaza. Nous appelons ça Ijaza, veut dire je n'ai pas les ganchers. Cheikh-là, il n'a pas les ganchers. Cheikh-là, il n'a pas les ganchers. Jusqu'à qu'il les remonte, jusqu'à qu'il est. Jusqu'à Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Jusqu'à nous l'époque, jusqu'à nous.
dans une époque et là ça et c'est une guerre mais nous cajouons des petits mali les meilleurs. Alors c'est ça un petit peu pour aujourd'hui, inchallah, et la prochaine nous on continue avec l'enseignement demain nous laissons faire et mercredi leçon arabe inchallah.